monde, j'espère que vous allez bien ce vendredi 16 août. Alors, on approche du week-end. J'espère que vous gardez le moral quand même, malgré toutes les mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus. Donc moi, je vous conseille comme d'habitude le chapelet, la prière. J'ai été hier à l'église. C'était un super moment. Hein. Voilà, prier Marie. J'ai fait le chapelet d'ailleurs. Et je me suis aperçu qu'il y avait quand même très peu de monde. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Je veux dire, c'est beau les églises. Hein. Vous imaginez quand même le travail que ça a coûté à ces gens-là, qui étaient animés par la foi quand même, de construire des églises aussi magnifiques. Et plus personne n'y va. Moi, ça me fait de la peine. Parce que Jésus, il a existé. Hein. Bon, il y a des miracles. Marie, évidemment. On a des miracles tous les jours, on a vraiment des témoignages tous les jours, il suffit de regarder un peu. Hein. Et pourtant, les gens persistent à ignorer Jésus et Marie. Et vous savez, moi je suis sûre que l'apostasie explique certainement l'état du monde. Alors je sais, ce que je dis n'engage que moi, mais vous ne croyez pas que si tout le monde était son chapelet à la main comme à Medjugorje, le monde irait mieux, parce que là-bas, c'était un paradis. Hein. Je vous engage vraiment, vraiment, je vous encourage à y aller. C'est extraordinaire. Vous avez une paix là-bas. Et c'est parce que les gens sont en train de prier. Donc, comme les gens prient, eh bien, les gens sont dans un état de paix intérieure. Donc, forcément, comme ils ont la paix à l'intérieur, eh bien, c'est la paix à l'extérieur. Voilà. Pour avoir la paix à l'extérieur, il faut déjà avoir la paix à l'intérieur. Bien, alors j'ai fini mon blabla. Je voulais regarder un petit peu. Oh non, oh là là, on me arrête, m'a dit. Bah ouais, regardez ce qui vient de tomber. J'allais dire, je voulais regarder un peu ce qui nous prépare là. Et voilà ce que j'ai. Vous voyez que ça sort tout le temps quand même. Hein. La délation, la démocratie, ouais. Et ça, c'est quoi? Le double jeu. Ah oui, amusant ça. J'avais jamais sorti cette carte là. Le double jeu de la démocratie, qui fait jouer la délation, mais regardez ce que j'ai, et c'est sorti, et ça sort tout le temps dans mes cartes. Alors, c'est quoi cette carte-là qui n'a pas voulu se montrer? Me too. Bon, alors ça, c'est autre chose. Mais enfin, elle ne s'est pas retournée. Ok. Il va y avoir encore des agressions sur les femmes, je pense. Bon, alors, ouais, il faut se préparer quand même. Hein. Ouais, je suis désolée. Hein. Bon, bah, vous vous en doutez quand même. Alors, c'était justement ma question, donc du coup, je vais la mélanger. Moi j'ai peur qu'en fait, ils nous déclenchent un truc pour éviter les élections US. Ouais, parce qu'il y a de ça aussi. Hein. Ils ne veulent pas laisser Donald revenir. Et ils seraient assez fous pour nous déclencher un conflit. Hein. C'est un peu ça que je ressens. Hein. Mais on va regarder. Alors, humanité, solidarité. Ah tiens, il y a Elon qui sort. Alors lui aussi, il est en kékiné en ce moment. Bon, je ne l'aime pas pour forcément beaucoup, cet homme-là. Parce que les trucs qu'il fait sur les animaux, les expérimentations, moi, ça passe pas. Voilà. Donc, moi, c'est un no-go. J'aime pas. Mais, ceci dit, on peut quand même lui reconnaître le mérite qu'il permet la libération de la libre expression. Oui. Et il est en kikiné. Hein. En ce moment, vous savez ça, avec Thierry Breton, qui travaille à la Commission européenne, je ne sais plus ce qu'il fait d'ailleurs, eh bien, il a menacé de censurer voilà, X. Bien, bien. Ça chauffe, ça chauffe. Alors, on va demander un petit peu au niveau des élections, hein, des élections US, voir ce qui sort. Good news. La météorite. Ah tiens. Et ça, c'est quoi? Fake news. Alors, good news et fake news. Ah bah d'accord. Bah t'as tout là. T'as tout ce qu'il faut là. Bon, c'est quoi cette histoire? Météorite, moi, vous savez quoi? Moi, j'y verrais bien la comète. Voilà. J'y verrais la comète. Parce qu'on en a une effectivement sur l'automne. Alors, bonne nouvelle et fake news. Et qu'est-ce qu'on a sur la comète là? Enfance volée. Ah bon, ça c'est des bonnes nouvelles. Terroriste. Ah, on va avoir un Nathan sur le tas ici. Qui serait certainement un faux drap plus loin pot. Voilà. Et là. Ah bah regardez, ah c'est trop drôle. Eh ben voilà, bon il suffit de demander, hein. Vous voyez je l'ai, faux machin, faux drap, c'est ce que je disais. Bon on va avoir un truc là, ok. Alors pourquoi enfance volée ou enfance en danger et pourquoi j'ai des bonnes nouvelles là?
Une femme blonde. Et alors? Trahison. Sur l'automne. Je sais pas, j'ai un truc là. J'ai une femme blonde. Alors, elle me demandait pas, je sais rien. Une femme blonde dont l'enfance a été volée, je pense. Et qui va donner des bonnes nouvelles. Alors, peut-être un témoignage. Hein. Un témoignage. Je sais pas pourquoi ça sort, ça. Tiens, j'ai Lucre qui sort. Bon, voilà, j'en saurai pas plus. Hein. Donc, on va laisser. Par contre, ici, j'ai Lucre. Je savais même pas qu'elle était dans le jeu. Je pensais avoir retiré les pays. Bon, bah, on a un truc très clair, là. On peut pas plus clair, hein, voilà. On a une fake news, des terreaux, un faux, hein, voilà, un faux drap, et une météorite, et j'ai Lucre. Bon, bah, écoutez, voilà. Donc, ça va chauffer. Alors, ça chauffe déjà, mais ça va chauffer. Et alors, ça va conduire sur quoi, ça? Là, sur 100. Bon, comme d'habitude, on va nous mentir. Des équipes qui vont travailler à ce que la vérité ne soit pas révélée. Préparation, planification. On y arrive doucement, hein. Bon, après, j'ai l'Espagne. Voilà, ça, il est reparti. Il nous prépare un truc. Il nous prépare quoi? Le faudra, le faudra, le faudra. Et alors, quelles conséquences pour la France? L'intuition. Bah oui, justement, j'y suis, moi, l'intuition. Je me sers de mon intuition. L'eau. L'héritage. Bon, bah là, il est reparti, là. Bon, attendez, je vais le remélanger. Là, il ne me parle plus. Alors, j'ai aussi les histoires de testament, là, vous voyez? Ancien et Nouveau Testament. Vous voyez? Alors, ça peut me parler, évidemment, de la Bible. Alors, l'eau, je ne sais pas pourquoi j'ai l'eau. Mais j'ai une préparation d'un faux pot de drap. Je peux te parler comme ça. D'un faux pot de drap. Et ça concerne Lucre, puisque j'ai ce pays-là qui est sorti. Et qu'est-ce que ça... Ça va aboutir à quoi? Moi, j'avais sorti la bombe tout à l'heure. Alors, espérons que non. En fait, j'ai deux cartes qui sont sorties. Là, attendez, je ne vais pas les prendre. Le G8. Bon. Ok. Réfléchir. Oui. Prier. Ah, bah, décidément. Bon, il y a quand même un truc, hein. Parce que le terroriste et le faux poudre, là. Ils vont pas nous déclencher un conflit, quand même. Le Kazakhstan qui s'y mêle. Des gens qui dorment. Ouais, bah, voyez, il ne parle plus maintenant. Il veut plus parler. Bah, on va changer. Bon, je l'ai pas mal utilisé aussi aujourd'hui. J'ai fait d'autres tirages, donc c'est peut-être pour ça. Bon, en tout cas, un truc en Ucre avec un faux poudre. D'accord? Ok. En supposant qu'il nous déclenche effectivement un conflit. Parce qu'il y a quand même un truc hein, qui arrive, je pense, rapidement sur l'automne. À quoi ça va aboutir pour nous, alors France et Europe? Une recherche d'équilibre. Bon, alors j'ai une invasion. Bon, c'est pas forcément une invasion alien. Hein. Pour moi, c'est une invasion. Les extraterrestres qui débarquent. Donc un débarquement de quelque chose. Hein. Une invasion. Ok. Oui, mais là, je suis sur l'Europe. La France, la France, la France. Qu'est-ce qui va se passer? Un retour de bâton, la foi, une machine. Oui, ben, vous voyez, ça, c'est encore le conseil de prier. Hein. Là, il y a une machine infernale qu'on ne parvient plus à arrêter. Donc, ça veut dire que ça va nous retomber dessus. L'histoire de faux poudre. Ok. Ça va nous retomber dessus. Je vous dis, mettez-vous à la prière. Hein. Alors. C'est-à-dire la goutte d'eau qui va. Ouais. Bon, bah, il y en a un qui va. La goutte d'eau qui fait déborder le vache. Moi, je pense que c'est Vlad, hein, parce que j'avais Lucre.
qui va vouloir se faire justice ou en tout cas avoir gain de cause à cause de cette provocation. Bon, alors attention, parce que je voyais le Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient, bon, c'est toujours actuel. Par contre, là, ce dont on parle, c'est plutôt l'Est. Où là, il risque d'en avoir ras le pompon, hein, devant la provocation du faux, vous avez compris quoi. Et alors? Ouais, là, là, les lucres, c'est le chat qui imagine être le lion, hein. Attention, hein. Ils sont pas de force, hein. Encore la prière. Décidément, ça chauffe, hein. Ouais, là, ça chauffe. Alors, on va demander, que va faire Vlad? Parce qu'on va y aller franco, hein. Alors, la peur. Les réunions. Attendez, il faut que je pense à lui, sinon ça va être compliqué. La panne. Bon, alors, il y a des gens qui vont commencer à avoir les chocottes ici. Parce que là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Pourquoi? Il y a quelque chose qui va tomber en panne. Il y a une panne de quelque chose. Bon, ça, ça peut être Zélie qui rêve. Moi, j'étais sur Vlad. Il est, qu'est-ce qu'il va faire? Les enfants. Tiens, tiens, tiens. Les ondes. Je n'ai pas le Vlad en question, attendez. Déjà, j'ai Brimich qui intervient. Il y a des histoires d'ondes. Il y a des histoires de d'ondes. Bon, ça, c'est bien l'étranger. Attendez, j'essaie de voir ce que va faire Vlad. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai Brimich qui est sorti. Les faux prophètes. Il y a une déception là pour lui. Il y a une déception pour lui. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire là? Tiens, j'ai la mise sous tutelle qui sort. Lui, il est déçu par rapport à son faux prophète ou par rapport à son mari. Hein. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu par rapport à son mari. Et alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de mise sous tutelle. Et moi, j'étais partie sur Vlad. Qu'est-ce que Vlad va faire? Bon, alors là, ça va faire mal. Oui, d'accord, mais il va faire quoi? S'il y a un faux... Ouais, ah, c'est plutôt logique. Ça a mis le temps, hein. Ça a mis le temps. Ouais, alors, le faux poudra, là, non? Ils vont essayer de noyer le poisson, mais ils vont commencer à avoir la trouille. Hein. Et là, moi, j'ai l'impression que ça va être, vous voyez, il y a un tsunami, là. Alors, une explosion, un tsunami, il y a quelque chose qui va être détruit. Ouais, vendredi 13. Il y a un truc qui va nous tomber dessus. Hein. Oh là, bah ça, c'est la guerre. Hein. Bon, et la carte, c'est ma fille qui l'a faite. Il faudrait qu'elle l'éclaircisse un peu, mais enfin, bon. Vous savez, les ados, comment c'est, il faut leur demander 10 000 fois. Bon, bah ça, c'est la guerre. Hein. Ouais. Donc, en fait, ça viendrait pas du Moyen-Orient, ça viendrait plutôt, bah, voilà. Il y a un truc. Ouais, il y a un truc. Et en même temps, la France s'est mise sous tutelle. Bon, alors, que va faire notre cher Caligula, là? Effectivement, s'il nous déclenche un truc, là. Alors, une femme âgée qui a une mauvaise idée. Oui. Et ça va aboutir à la guerre civile. Oh là 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 là. Comment ça? Avec des morts. Et un changement. Pourquoi j'ai la guerre civile qui sort? Bon, alors, reprenons. Il est possible, ce sont que des hypothèses, parce que c'est question d'intuition, tout ça, qu'il y ait un faux « attends sur le tas » ou un faux « drap », enfin bref, « poudra », ok, qui fait que Vlad soit complètement énervé et qui nous déclenche vraiment une riposte. Un tsunami, c'est une destruction, quand même. Hein. Et donc, la guerre. Ok. De l'autre côté, moi, j'ai une mise sous tutelle de la France. Alors, je sais que ça n'engage que moi, ce que je dis, mais il semblerait que Brimich soit quelque part déçu de son mari, pour une raison ou pour une autre, il y a une déception.
Alors peut-être parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, ou je sais rien, enfin il y a un truc qui coince. Et de toute façon, il y a la France qui est mise sous tutelle. Bon. Par ailleurs, j'ai une femme qui va prendre une mauvaise décision, avoir une mauvaise idée, qui va faire qu'on va avoir ici une population qui va se battre contre une autre partie de la population. Sauf que je ne sais pas pourquoi. Alors là, des questions de friandises, des questions de... De quoi? Ah, il y a une femme qui intervient. Et pourquoi est-ce qu'on aurait une guerre civile? Oui, pourquoi est-ce qu'on aurait ça? Non, je n'ai pas la réponse. Par contre, on me dit que là, il va falloir se mettre à l'abri, hein. On me dit que le passé, c'est fini. Le passé ne reviendra plus, c'est fini. Oui. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui va arriver. Alors, est-ce que, vous savez, il y a quand même quelque chose qui peut arriver, c'est l'article 16. Est-ce que l'autre foule pourrait nous déclencher l'article 16? Parce que si c'est ça, oui, ça pourrait effectivement engendrer des gros problèmes dans la population. Ça, c'est possible. Oh, j'ai tremblement de terre. Attendez, je réfléchis. Est-ce que l'autre, en cas de conflit, pourrait nous déclencher l'article 16? Bon, là, il y a un renouveau, ou en tout cas quelque chose qui commence, de la folie et un changement. Dans sa folie, il pourrait nous infliger ça, hein, ouais. Une vengeance. Ah ben, il voudrait se venger contre nous, oui, ben c'est possible, hein. Absolument, hein. Ouais. Les médias diraient que c'est son devoir. Alors, c'est une hypothèse possible. Ne prenez pas ça pour argent comptant, d'accord? Mais je veux dire, c'est quand même possible qu'il nous déclenche l'article ouais, l'article 16 pour reprendre les pleins pouvoirs. Hein, ouais. En cas de guerre. Ouais, c'est possible. On va poser la question au Divine Actu. Je n'avais pas pensé à ça, mais... Mais là, ça ne se passerait pas bien dans la population. Hein. Inutile de vous le dire. Hein. L'article 16, c'est danger maximal. Voilà. C'est moi le chef et vous faites ce que je vous dis de faire. Donc ça pourrait lui permettre de reprendre le contrôle parce qu'il est quand même un peu coincé. Je vous ai dit qu'il avait du mal au niveau du Premier ministre. Hein. Alors il y a quelqu'un qui n'a pas compris dans les commentaires. Je sais qu'il n'y a pas de Premier ministre, mais c'est justement pour ça qu'il a du mal. Parce qu'il n'arrive pas à trouver quelqu'un qui arrive à comment dire, à faire l'harmonie entre les trois groupes quoi, de l'Assemblée nationale. C'est le problème. Hein. Et donc là, il s'est mis un petit peu lui-même en fait dans une situation compliquée, quoi. Et ça, l'article 16. Ah, regardez, regardez, ça vient de tomber. Ah, c'est fou. Et là, l'article 16, ça lui permettrait effectivement de reprendre la mainmise, le contrôle. Ouais, ben, et voilà, il est tombé du jeu. Hein. Moi, je sais pas, mais vous me direz. Hein. Ok. Alors. Le Liban. Ah oui, il y a ça aussi. Bon, le bétail. Ok. Et en dessous, c'est nous qui sommes du bétail pour ces gens-là. Hein. Comme on les appelle les SS, les deux S, on va dire les deux S, ok? Et là, qu'est-ce qu'on a? Contrôle surveillance. Ah bah ben, ça va bien ensemble, hein. Oui. Bon. Ok. Alors, ça brûle au Liban, ça brûle en Ukraine, ça brûle partout. On va demander. Alors, il faut que je me recentre sur lui. Est-ce qu'il va nous déclencher l'article 16? Est-ce qu'il va vouloir reprendre les pleins pouvoirs? Si vraiment on a un problème avec Vlad. Parce que ça nous pend au nez. Hein. Alors j'ai quand même la protection divine, l'élite, l'intuition. Ah ben ça m'avance pas beaucoup là. Bon, alors il faut que je fasse preuve d'intuition. On a quand même une protection divine, oui. Mais là j'ai l'élite. Donc ils sont à la manœuvre. Et là les médiums voyants cartomanciens dont je fais partie sont sollicités. Invention. Bon. Émancipation. Ah!
Ah ben voilà, il se fait demander, vous voyez, il est sorti. Bon, alors, le roi clé, c'est lui, hein, c'est Caligula, d'accord? Ouais, ben voyez, en fait, c'est eux contre nous, hein, l'élite et l'émancipation de ces gens-là. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai invention, il y a quelque chose. Bon, là, j'ai demandé, est-ce qu'il a l'intention de mettre l'article 16? Et là, le jeu me dit que mon intuition, apparemment, est correcte, puisque j'ai intuition et l'autre là. Pourquoi j'ai invention? Monnaie numérique. Oui, bon, ça, de toute façon, on le sait. On le sait. D'accord. Ok. Mais il y a une protection divine. Ok. On va se centrer par là. Alors, Coco, qu'est-ce que tu vas nous faire? Les sacrifices. Oh, bah alors, ça y va en ce moment, hein? Ah ouais, hein? Ah, bah ça y va, hein? Ok. Pour reprendre la colère. Alors, je sais pas si c'est lui qui est en colère ou si ce sont les gens. La séparation. Oui, non, mais je crois que c'est lui. Il est en colère parce qu'il sent que les gens, vous voyez, ils en ont marre de lui. Voilà. Les gens, ils en ont. Il s'est fait siffler, enfin, il s'est fait huer, hein, quand il avait fait l'ouverture des JO. Hein. Il s'est fait siffler, hein, huer. Hein. Je vous avais montré sa bouille. Je vous avais dit, il va se venger. Bon. Alors, il va faire des sacrifices. Ouais, il va vouloir nous empêcher, voyez, de communiquer et de nous libérer de nos chaînes. Alors, est-ce que ça va passer par l'article 16? Bon, l'abondance, oui. Le chien, oui. Alors, je ne sais pas trop pourquoi est-ce que je vous sors là. Le Nuremberg. Bon, là, ça ne me parle plus. Bon, alors, attendez. Là là. Vous voyez, quand on pose des questions, ça sort pas. Et quand on pose pas de questions, ça sort. Dis-nous ce que tu as dans le crâne. Une traîtrise. Moi, je suis sûre qu'il est en train d'y penser. Je suis désolée. Hein. Je pense qu'il y pense, oui. J'ai quand même le serpent. C'est une traîtrise, ça. Alors, on va demander autrement. Qu'est-ce que tu vas faire si Vlad nous déclare la guerre? Voilà. En tout cas, s'il riposte. Bon, il pense quand même pas mal à ces histoires de piquettes. C'est marrant, il pense beaucoup, beaucoup à nous coincer avec l'intelligence artificielle. Oui. Pour l'instant, il est vraiment là-dedans. Voilà, ça sort bien. Bon, il va demander conseil à Joe. Alors, Joe ou Kamala, parce que je ne l'ai pas dans le jeu, hein, d'accord? Ou alors elle est je sais pas, dans un autre paquet. En tout cas, bon, j'ai dû la sortir du jeu. Donc, il va aller demander conseil à papy ou à mamie. Enfin, non, elle est quand même plus jeune. Et alors? Donc, il ne prendra pas l'initiative de son fait, ok? Mais il a très envie de se venger. Héritage, transmission. Ben voilà, donc ça, c'est Kamala qui a transmis. Ou l'autre qui a transmis, oui. Bien, qu'est-ce qu'il va faire? Regarde-moi dans les yeux. Collabo, oui. Bon, ça, on a compris. La mort. Ouh. Il veut notre peau. Bon, écoutez, je n'ai pas la carte de l'article 16, hein, d'accord? Mais ça ne m'étonnerait pas. Je vais demander à mon jeu. Généralement, mon jeu me répond. En tout cas, là. Il pense beaucoup, beaucoup à l'intelligence artificielle avec la carte vitale, la sécu, vous savez, le fameux portefeuille numérique, là. Hein. On l'avait ici aussi, vous voyez. Voilà, la monnaie numérique avec la carte vitale ou je sais pas quoi, je sais pas ce que vous avez en France, et l'intelligence. Bon, pour l'instant, il est vraiment centré sur ça. Alors, cet article 16, ben, il n'a pas décidé parce qu'il faut qu'il aille demander conseil. En cas de... Vous avez compris, hein, de faux draps. Alors, la coupe. Là, on trouve une solution. On trouve une solution inespérée. Et là, on reprend le contrôle en main. Oui, donc ce serait une façon pour lui, effectivement, de reprendre le contrôle de la situation. Hein. Oui, tout à fait. Bah oui, si vous avez essayé l'article 16, il peut tout faire, il a les pleins pouvoirs. Donc oui.
ce serait très bien joué. Moi, si j'étais à sa place, c'est ce que je ferais. Ah ben, je vous le dis, hein. Il faut se mettre à leur place, la façon dont ils pensent. Là, il est coincé avec le Premier ministre, même s'il devrait quand même en, il devrait quand même en nommer un, je pense. Mais bon. Moi, à sa place, franchement, je vous le dis, c'est ce que je ferais. Mais on va demander. Alors, est-ce qu'il va faire ça? Bon, j'ai quand même le crocodile, hein, oui. C'est un danger, hein, ouais. Alors, les histoires de nourriture. Il s'en lave les mains. Ah, ouais, d'accord. La crise économique, le fait que les gens ne peuvent pas se nourrir, ils s'en fichent. Vous savez que l'article 16, c'est aussi avec la loi de la programmation militaire, hein, donc c'est réquisition générale. Hein. Ouais. Il y a un danger, hein. Il y a vraiment un danger. Accusé. On accuse quelqu'un. On accuse quelqu'un. Ah, bah oui. En fait, ouais, c'est bien possible parce que là, il dirait que, vous voyez, on accuserait quelqu'un d'avoir provoqué la tempête. Ouais. D'accord. Et ce serait une torsade. Alors, l'oasis. L'élite. L'élite qui sont dans leur petit coin tranquille. Et toi, Caligula, qu'est-ce que tu vas nous faire? Ouais. Alors, pour l'instant, j'ai des bons samaritains. Bon, bah, je ne l'ai pas. Hein. Je ne l'ai pas, mais à mon avis, j'ai quand même la guerre civile. Donc, à mon avis, il y a une mauvaise chance qu'il nous, déclare l'article truc chouette. Ouais. Ce qui provoquerait des troubles dans la, population. Mais vraiment. Hein. Parce que les gens seraient contre. Vous voyez la résistance. Les gens ne veulent pas de ça. Ils veulent pas qu'il ait les pleins pouvoirs. Provision. Hein. Le fardeau. Progression. Alors, amélioration par la suite. Non, non. Bah non, même pas. Non, même pas, puisqu'on a les mains liées. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une amélioration? Ça va être encore son discours, hein? Oui, je pense. Il va encore nous sortir des bobards. Ouais. Bon, après, il y a une femme qui arrive. Mais là, je sors un petit peu du jeu. Ok. Bon, bah voilà ce que je peux dire. Bon, on verra bien. J'espère que je me plante. Donc, il pourrait vraiment prendre les pleins pouvoirs, ouais. Mais là, ça se passerait très, très mal. Hein. Ah ouais, ah ouais. Là, j'ai les gens, vous voyez, vous avez vu la guerre civile. Bah, c'est-à-dire un peu comme en Angleterre, quoi. Ouais. Là, ça se passerait vraiment pas bien, hein. Non. Bon, écoutez, on en est là. Pour l'instant, on reste avec ça, on regarde. Alors, provision pour vos animaux aussi, s'il vous plaît. Hein, parce que ça risque de devenir compliqué, sinon. Provision pour vous. Alors, n'allez pas dévaliser les magasins, mais enfin... Les choses habituelles, hein, poitrine, farine. Et puis, ouais, que vous dire d'autre? Je sais pas. Prévoyez quand même, parce que j'ai pas un bon feeling, moi, sur l'automne. Il y a un truc qui se prépare quand même. On verra bien. En tout cas, une personne avertie en vaut deux. On est prévenu, on fait en conséquence. Et on refera des tirages, évidemment. À bientôt. Au revoir. Thank you.